Ça va aider tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire du riz gluant au lait de coco accompagné de mangue. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de riz gluant déjà cuit. Vous pouvez préparer ce riz à la méthode traditionnelle, dans un panier vapeur en bambou ou avec le grand panier vapeur du Compact Cook Ailey. Vous trouverez dans la description et à la fin de la vidéo le lien pour apprendre à faire le riz avec le Compact Cook Elite. Commençons maintenant à faire le riz au lait de coco. Installons premièrement la pâte de mélange. Nous allons maintenant verser le sucre, le sel et le lait de coco. Fermons le couvercle et programmons le mélange de façon manuelle. Nous allons mettre un temps de cuisson de 2 minutes. Nous allons choisir une température de 100 degrés. Et la vitesse sera de 2. Vitesse 2, température 100, temps 2 minutes. Lançons le programme. Pendant ce temps, nous allons émietter le riz gluant encore chaud. Une fois émietté, pour garder la chaleur, couvrons-le d'un torchon. Lorsque le lait de coco est prêt, réservons la moitié pour le nappage. Ajoutons maintenant le riz dans le bol en l'émiettant de nouveau. Et avec l'aide de la spatule, enfonçons le riz dans le fond du bol. Puis fermons le couvercle. Programmons le mélange manuellement. Le temps de cuisson sera de 1 minute. La température de 100 degrés et la vitesse de 2. 1 minute, 100 degrés, vitesse 2. Appuyons sur le bouton de démarrage. Au bip sonore, ouvrons le couvercle, rabattons le riz vers le centre du bol et refermons. Laissons reposer 10 minutes pour que le riz finisse d'absorber tout le liquide. Pendant ce temps, nous allons préparer la mangue. Vous pouvez remplacer la mangue par un autre fruit, comme par exemple la pêche, la nectarine ou bien la banane. Pour accompagner le riz au lait de coco, vous pouvez couper la mangue en lanières ou bien en petits dés. Passons maintenant au dressage. Dans un bol, mettez 2 cuillerées à soupe de riz et autant de mangue que vous souhaitez. Nappez enfin avec la préparation de lait de coco. Et voilà, notre riz au lait de coco est prêt. Sunset. Merci et à la prochaine.